Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui est un jour très particulier et je suis très heureux que vous soyez joints à nous pour découvrir le Clos du Temple. Nous sommes ici à Cabrières, dans le sud de la France, et nous allons ensemble visiter pour la première fois à la fois le vignoble, mais surtout découvrir le nouveau chai. Nous sommes les héritiers et les dépositaires de 24 siècles d'histoire, depuis les Grecs, les Romains et les Visigoths. Le roi Soleil, le roi Louis XIV, a été le premier à mettre en lumière ce terroir majestueux. Il appelait les vins « vins vermeils ». Maintenant, c'est à nous que revient le soin de révéler la grandeur de ce terroir. Nous allons ensemble gravir les coteaux entre les vignes et jusqu'à la cave. Je me souviens très bien la première fois où j'ai ouvert ce portail. Je me suis laissé guider par la magie et la beauté de ce lieu. Ce terroir unique, fait de schiste très particulier et de calcaire, m'a profondément ému. J'ai de suite eu la vision de créer ici le plus grand rosé du monde. Benjamin, nous sommes ici au cœur du domaine. Effectivement, 12 hectares, 11 parcelles et 5 cépages, dont les deux principaux sont le Cinsault, le Grenache, agrémenté de Syrah, de Mourvèdre et d'une pointe de Viognier. C'est un véritable sanctuaire avec les pluvieux cèpes du Clos du Temple que nous cultivons en biodynamie et en traction animale. Ces souches façonnées par le temps m'inspirent un profond respect. Ce lieu est magnifique. Dans cette parcelle, nous avons répertorié un grand nombre de variétés traditionnelles, de variétés ancestrales, que nous souhaitons préserver et transmettre aux générations futures. Nous sommes ici devant le chai du Clos du Temple. J'ai souhaité, il y a 36 mois, confier la mission de réaliser ce chef-d'œuvre à l'architecte montpelliérain François Fontès, car il a très bien compris notre volonté de respecter les formes, les courbes de cette topographie, mais aussi la biodiversité. Ce bâtiment, avec ce toit unique végétalisé, va s'intégrer complètement dans le paysage, mais il va également servir, bien sûr, à célébrer les rites, les traditions et la majesté du grand vin du Clos du Temple. Ce projet, il devait s'intégrer totalement dans la nature, je disais un petit peu comme une géographie habitée, reprendre les formes principales du territoire, les matériaux du territoire, il y a des matériaux très importants ici, c'est ce que j'ai essayé de faire en m'imprégnant avant toute chose de la puissance de ce territoire et de sa beauté plastique. Le moment est venu d'entrer dans le temple. Ce lieu est dédié au seul et unique rosé du Clos du Temple, dont le message est terre, temps et transcendance. Je vous invite à me suivre. Nous sommes ici dans le Saint des Saints. Ces 11 cuves en forme pyramidale
symbolise la verticalité. C'est également du jamais vu, puisqu'il n'y a aucun autre chai au monde de cette conception. La volonté, c'est de faire l'alliance entre les forces terrestres et les forces cosmiques que vous voyez au-delà de ce mouchard à biais, et de permettre, durant la fermentation, la pleine expression du fruit. Après avoir pris le plus grand soin de nos raisins, mais aussi d'avoir défini les dates de récolte optimum pour chaque parcelle, les raisins font en chambre froide pendant 24 heures, puis sont pressés et acheminés dans ces cuves par gravité. Par la suite, à mi-fermentation, les vins sont soutirés en fût. Le chai d'élevage a des proportions qui sont remarquables et également 6 mégalithes qui sont des blocs de calcaire de notre région qui ont été taillés sur place et qui symbolisent vraiment cette verticalité et cette ouverture temporelle vers le cosmos qui donne à ce chai des caractéristiques uniques. Ici, nous élevons le grenache, le cinceau en demi-nuit, mais aussi la syrah, le mourvèdre et le viognier en fût de chêne français. Nous sommes ici dans le réceptif du clos du temple, où la nature s'invite à l'intérieur grâce à ses baies vitrées monumentales, espacées de ses mégalithes de calcaire. La magie de ce lieu est que la lumière arrive différemment du matin jusqu'au soir et permet de révéler différentes facettes et différentes atmosphères entre le déjeuner, le dîner et les différentes célébrations. Nous aimons ici mettre en majesté ce rosé unique du clos du temple. Et pendant que je me prépare pour la dégustation, je vous laisse admirer ce lieu unique. Clos du Temple 2018, premier millésime. Mais la couleur est lumineuse. Les reflets sont toujours très brillants. Le vin est encore au printemps de sa vie. Le nez est frais, avec des arômes de fruits des bois. On ressent la minéralité déjà au nez. En bouche, on a beaucoup de complexité, de la fraîcheur, ça fait saliver, ce qui est bon signe, et en même temps, on a une très belle profondeur. Clos du Temple 2019. J'aime beaucoup la luminosité qui se reflète dans le verre. Le nez, le premier nez est acidulé. On ressent aussi des notes d'agrumes, de menthe fraîche. La bouche est multidimensionnelle, elle est très structurée. On ressent l'énergie qui vient du mourvèdre. Et la longueur en bouche est impressionnante. Parce qu'en fait, le vin est rebondi. On a l'impression qu'on va pouvoir le boire pendant les 10, 20 ou 30 prochaines années. À votre santé. Clos du Temple 2020. On voit dans le vin la jeunesse de ce nouveau millésime. La couleur est très fraîche, avec une couleur très légèrement saumonée. Le nez a des arômes de petites baies sauvages qu'on retrouve un peu dans la nature ici. On ressent aussi
des notes légèrement citronnées. Ce qui réellement distingue le millésime 2020, c'est cette note fraîche, intense, avec une très très bonne acidité. C'est un vin qui démarre sa courbe de vie et qui va devenir, à mon avis, dans les prochaines années, réellement The Vintage. Parce qu'en fait, il a à la fois la fraîcheur, la minéralité, la verticalité et aussi l'acidité. À votre santé. Vous êtes maintenant les dépositaires du message du Clos du Temple. Terre, temps, transcendance. Vous avez reçu une clé que je vous invite à partager avec ceux avec qui vous voulez faire découvrir ce lieu et ce message. À très bientôt et encore une fois, merci.